Sa mentalité, sa rage font sa force. Nemanja Pejčinović fait partie de ces défenseurs qui n'abandonnent jamais. En 3 ans, l'international serbe est devenu le patron de l'arrière-garde niçoise, un gladiateur des temps modernes. Surtout guerrier, toujours la combat, comme on a dit, les choses que j'ai passées avant avec les guerres et tout ça, donc ça reste quelque chose à moi. Une rage intérieure, puisée dans son enfance. Quand j'avais 12-13 ans, il y avait la guerre à Kosovo, ils ont bombardé le pays, donc voilà, on était dans la, comme on dit, dans la sous-sol, dans la maison, voilà, avec notre voisin. C'est vrai, c'était pas bien pour nous. Un épisode qui a su forger le défenseur, aujourd'hui âgé de 26 ans. Ça donne en fait, comme on dit, un grand courage, beaucoup de courage pour faire n'importe quelle chose dans la vie, et toujours une motivation en plus que les autres. Et son courage, il le prouve sur le terrain. Nemanja Pejčinović a gagné 75% de ses duels depuis le début de saison, le deuxième meilleur total en Ligue 1. Le Serbe s'est rapidement fait adopter par le public niçois. Sa combativité, sa ferveur incarnent l'esprit des supporters. Et il suffit de faire quelques pas place Masséna à Nice pour se rendre compte de son charisme. Et en plus, je vais le voir tous les matchs, il faut le dire quand même. Hein. Franchement, c'est fier de jouer ici avec beaucoup de supporters qui aiment énormément OGC Nice et Ville aussi. Ça fait plaisir de jouer à OGC Nice pour ce moment et je suis sûr que ça va rester dans la carrière, ce club et cette ville. Un dévouement pour son club que Pejčinović devra encore prouver. Le club de la Côte d'Azur a plus que jamais besoin de son gladiateur dans cette mauvaise passe.